Mardi. Lundi. Lundi. Je ne sais pas pourquoi faire jeudi, mardi, mardi. Hey, on est lundi le 3 mai. Bienvenue à En prenant votre café, en direct de mon laptop. Donc, soyez indulgents. Soyez indulgents. Et la manifestation. Il y a une grosse manifestation samedi. On en parle encore. On va en parler. On ne va en parler pas de suite. On va en parler. La FTQ, bon, les fonctionnaires. Reste les fonctionnaires. Donc, le syndicat. Ben, il est gourmand. Hein? Il est gourmand. Ottawa, le droit de déconnexion. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, oui, oui. Marie-Pierre Morin, tout le monde en parle. On est quand même obligé d'en parler. Voyons, comment il s'appelle? Béliveau. Béliveau. Oublie son nom. Le super docteur, ben, il parle de l'exercice pour l'immunité. C'est intéressant. Pas l'immunité contre la COVID, le capote et pas. Les mères sont de plus en plus jeunes. Plus en plus de femmes, c'est intéressant, on va parler de ça. On va parler d'orthorexie. Oui, on va parler d'orthorexie. Puis les ventes en magasin aux États-Unis augmentent, le sweatpants. Une petite chanson. Je sais que vous aimez ça. J'ai une petite chanson pour vous. Regardez bien comment ça va se passer. Madame Cahouette n'est pas là, j'ai pas mon équipement. Là, bientôt, bientôt. Regardez bien. Madame Cahouette, pèse du piton. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui est tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, de cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. C'est ça, c'est beau, hein? Ça donne des frissons. Même si je chante mal, c'est la chanson d'innocence de Gérard Lenormand. Je l'adore, Gérard Lenormand. J'aime Michel Sardou, Gérard Lenormand, Jacques Brel. Nommez-les les vieux chanteurs québécois, français, même québécois, Claude Dubois, Ginette Renaud, Jean-Pierre Verlan. Je pense que je suis une vieille âme, hein, dans un corps de jeune. corps de jeune. Ben oui, une petite bédaine, hein? On travaille là-dessus. Une petite bédaine, tu sais, quand t'es jeune, t'as une petite crotte bébé. On dirait qu'il revient à 50 ans, ce petit crotte bébé-là. Fait qu'on le travaille. On le travaille. On fait de l'exercice, on mange bien, pas tout le temps. Hein? On va parler de ça tantôt. L'orthorexie. C'est pas un mot du dictionnaire, c'est une maladie. Ouais, j'en vois beaucoup sur les Instagram de l'orthorexie. Faut pas capoter. Bon, il y a une manifestation ici lundi, samedi. Maudit. Si vous fiez à moi pour les dates et les jours de la semaine, vous êtes vraiment mal pris dans la vie. Hein? Samedi, au Parc olympique. Ceux qui étaient là disent qu'il était 100 000. Ceux qui ne sont pas là disent qu'il était 25 000. Donc, qui croit? C'est quand même, avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, là, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'identifier une foule? T'sais, tu prends un prix carré et tu dis combien que ça fait. Hein? 100 000 personnes, c'est beaucoup de monde. Bref, c'est pas important. Là, j'en parle, mais je sais que François Legault ne sera pas fier de moi parce que Frank, il dit... je l'appelle Frank. T'sais. Frank, il dit... alors, je vais manquer de respect, mais on va me le faire dire. Monsieur Legault. Monsieur Legault, il dit... mais il a l'air sympathique. Appelons-le Frank. OK. Fait que François Legault, il dit... Donnez-leur pas trop d'attention. Et puis moi, ça me fait rire, cette phrase-là. Parce que, vous savez, nous, on vient d'une famille, nous, moi, parce que là, je parle à moi. Là. C'est parce que je suis tellement un employeur inclusif. Moi, je parle tout le temps au nous, jamais au moi. Donc, là, tu veux, même dans ma famille, je me mets dans le nous. On était quatre. Hein? Et on était quatre. On est encore quatre. Ma soeur Geneviève, la plus vieille, moi, ma soeur Véronique, puis mon frère Yannick. Mon frère Yannick, c'est un petit comique. Encore, même il y a 2-3 ans, mon fils Alexis a dit, vous voyez, vous connaissez toute ma famille. A dit, écoute, Yannick est humoriste, il est drôle. Puis quand il était jeune, il faisait toujours des niaiseries, mon frère, puis il était drôle. Puis ma soeur Véronique, à un moment donné, on était tanné de rire. Il était bien oui, à un moment donné, c'est assez là, de rire. Puis tu deviens tanné de rire. Fait qu'elle disait tout le temps, ris pas, ça va l'encourager, parce que sinon, il se relance, tu sais. Ben oui, ça arrive des fois que tu n'es plus capable de rire. Faisons une pause.
Fait que c'est ça que François Legault dit aux manifestations. Attends un peu, je l'ai marqué. Donnez-leur pas d'attention. C'est ça qu'on faisait avec mon frère qui arrête d'être un humoriste. Peut-être qu'aujourd'hui, au lieu d'être professeur, puis travailler avec moi sur la ferme, peut-être c'est un humoriste que je pourrais exploiter. Tu sais, comme j'ai essayé d'exploiter Jean-Thomas Jobin. Me cacher derrière lui. Je faisais faire mes petits plats. Hein? Jean-Thomas, regarde, on fait ça. Fait que lui, il s'appelait la colle, qui collait les mots. Moi, je l'utilisais. Hein? C'est comme ça. Faut pas que ça paraisse. Hey, je m'ennuie de Big Brother. Je me suis ennuyé hier de Big Brother. Je suis bien à l'extérieur, mais j'étais bien à jouer à ce jeu-là. Donc, invitez-moi quelque part dans le monde à faire Survivor ou Big Brother ou Koh Lanta, là, je capote, m'ennuie. Mais pas tout de suite, là. C'est pas parce que je m'ennuie qu'il faut que ça arrive tout de suite, là. Là, je suis en train de bâtir une belle entreprise, ça va bien. Je passe du temps avec ma belle Marilyn, mais tu sais, repartir un autre petit 2-3 mois l'année prochaine, ça serait le fun. Ça serait le fun de relever un autre défi. Mais oui, c'est comme ça, ça devient une drogue dure jouer à Big Brother. Oui, mais là, j'ai trop de fun à bâtir l'entreprise parce que honnêtement, j'ai du plaisir à faire ce qu'on fait en ce moment. Vous n'avez aucune idée comment je me lève heureux et que je me couche heureux de bâtir cette entreprise-là dans le fond d'un rang en faisant travailler beaucoup d'entrepreneurs au Québec. Tu sais, les couteaux parentaux qui sont revenus, ben, je l'ai vu venir écrire sur le statut Facebook en annonçant les nouveautés. Et il est fier, le gars. T'sais, il est fier qu'on parle de ses produits. Je parle du pain aussi. La douce folie, je pense. Folie, j'oublie le nom de la compagnie. Ben, elle aussi est fière de voir ses produits. Ben, c'est ça qui me fait lever chaque matin. Que vous veniez faire un tour sur le site, que vous puissiez regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. De vous ouvrir un compte, c'est ça qui est le plus difficile. Hein? Quand le compte est ouvert, ça va. Moi-même, je suis paresseux. Là. Arrive pour acheter quelque part, je dis, non, il faut que je m'ouvre encore un compte, marquez mon adresse. Puis ça fait pas mal. Ça ne dure pas si longtemps que ça. T'sais. Mais c'est ça, c'est l'étape la plus dure dans le marché en ligne. Et c'est ce que j'ai du fun à faire. Mais bon, je m'ennuyais quand même de Big Brother. La Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, la CSN, ont rencontré le premier ministre hier. Parce que le premier ministre dit, bon, il reste les fonctionnaires à régler, il a réglé les infirmières, régler les profs. Puis là, il reste les fonctionnaires. Puis là, les fonctionnaires disent, oh, attends un peu. Moi, j'ai pris des notes. T'en as donné beaucoup aux infirmières, t'en as donné beaucoup aux infirmières auxiliaires, aux préposés aux bénéficiaires. Ben, on avait donné beaucoup aux profs, à nous autres, si on en veut. Fait que là, on n'est pas sorti du bois, tu sais. Puis là, ils vont dire, nous autres, si on est important. Fait que la chicane va pogner bientôt. Puis là, François Legault dit, ben là, il faut qu'on règle. Fait que c'est évident que ça pourrait être ça. C'est évident, comme dirait Julie Couillard. Julie Couillard, c'est qui? C'est l'ancienne blonde à Maxime Bernier, tu sais, qui avait... T'as parti avec des documents. Ben oui. T'as pas le crayon plus aiguisé dans... Comment on dit ça? Pas de crayon plus aiguisé dans... Pas de pogo plus gelé dans la boîte. T'as pas le crayon plus aiguisé, Maxime Bernier, là, tu sais. Puis il est pas... Tu sais, on dit, hey, il est devenu bizarre. T'es bizarre, fin bout, là. En tout cas, c'est évident que les autres syndicats étaient pour cogner à la porte aux autres et dire nous autres aussi, hein? Parce que c'est ça qui arrive. Moi aussi. L'égalité pour tout le monde. Fait que les fonctionnaires. De toute façon, les fonctionnaires, ça ne vous donne rien. Ah non, c'est pas vous autres. C'est parce qu'au fédéral, avec le système Phoenix, ils sont pas tout le temps payés, ou sont trop payés, ou pas assez payés, ou pas payés partout pendant des années. Mais ça, c'est au fédéral. Me trompais de place. Parce que dans ma liste, j'ai Ottawa. Suite après que je parle de Québec, je parle d'Ottawa. Tu sais, l'égalité. C'est important d'être égalitaire. Le droit de déconnexion. Tu sais, parce que là, avec le télétravail, ben, ça a toujours existé un peu. Tu sais. On amène du travail à la maison. Tu sais. Puis là, le gouvernement fédéral veut passer une loi de déconnexion. Donc après, mettons 5 heures. Ton employeur n'a plus le droit de t'envoyer des emails. Non, un texto. Non, tu n'as plus le droit. En Allemagne, en France et en Espagne, ben, faut que tu respectes le droit de déconnexion. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Tu fais juste changer l'horaire de travail. Tu dis, tu embauches tes employés, tu dis, ben là, tu travailles plus de 8 à 4, tu travailles de 4 à minuit. Hein? Ça, c'est un employeur qui a une vision.
Non, non, sans blague, faut respecter. Tu sais, moi, même avec Marilyn, des fois, j'essaie de pas trop y parler, mais on fait juste parler de travail. Mais c'est parce que c'est le fun, tu sais. Mettons, on va faire du pain aujourd'hui, la bière, là. Ben, c'est parce qu'on l'a sur le site. On a le goût de l'essayer. Fait que là, on parle de ça. Hey, ça a bien sorti aujourd'hui, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Faut déconnecter. Puis là, à un moment donné, je dis, comment va Gaëlle? Tu sais, va bien. Bon. En plus de ça, qu'est-ce qu'on fait demain? Non, mais faut respecter ça. Sans blague, je fais des blagues avec Marilyn. J'essaie de respecter ça, mais il faut respecter que l'employé, un coup qu'il rentre chez eux, il a le droit d'être chez lui. C'est certain qu'avec le télétravail, tu sais, ça étire les heures parce que, dans le fond, on est encore pris avec un carcan d'heures de travail. Et c'est ce que moi, j'essaie d'enlever. Il faut respecter les gens. Mais pour moi, c'est pas l'heure de travail qui est importante, c'est le travail en tant que tel. Et c'est bien évident qu'avec les réseaux sociaux, les textos qu'on reçoit, respecter un cadre de travail strict comme dans le temps du 8 à 4, mettons, du 9 à 5, ou emmène ça à 10 à 6, si tu veux, là, tu sais, 11 à 7, ah ouais, vas-y. Ben, tu sais, il faut que tu sois juste envers l'employeur, puis tu lui donnes ton 37h30 productif. Donc, si ça te prend plus de temps, ben, il faut que tu respectes ça aussi, puis, ben voilà, j'avais déjà eu une discussion il y a très longtemps avec des employés, on faisait beaucoup d'heures. Puis il disait, ben là, regarde, on est tanné, il faut faire un petit peu moins d'heures. Et c'était au début d'Aïva. Et j'ai dit, ben parfait, mais puisque je vous laisse rentrer à l'heure que vous voulez, vous finissez à l'heure que vous voulez, en autant que le travail est fait. Mais je dis, maintenant, tu sais, je ne peux pas gérer 25 employés avec des horaires différents puis voir si tout le monde respecte leurs heures. Si vous voulez qu'on fasse tous 37h30, ben tout le monde va devoir rentrer en même temps, prendre leur pause en même temps, ne pas avoir Internet sur les bureaux, et là, on va pouvoir dialoguer. T'sais, parce que si j'arrive, puis tu es en train de regarder les matchs de basketball, le score, puis dans l'après-midi, tu es encore sur la page de basketball, voir qui va jouer ce soir, et après ça, tu t'en vas voir les paris en ligne, voir sur qui tu vas bêter, ben ça se peut que tu n'es pas en train de travailler pendant ce temps-là. Je respecte ça. Mais il ne faut pas que tu me demandes non plus de pas chialer si le travail n'est pas fait. Donc, mais il reste que, je suis d'accord là-dessus, qu'il y a un droit de déconnexion qui doit être mis en place parce que certains employeurs exagèrent. Et probablement, c'est certainement des employés du fédéral ou des employés, des fonctionnaires qui ne respectent pas ce cadre-là parce qu'ils ne sont pas habitués de travailler à la maison. Mais bon, voilà. Voilà. Marie-Pierre Morin, vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Ben oui, vous la connaissez. Là, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez ouvrir les journaux aujourd'hui. Mais non, vous ne les ouvrez pas parce que je vous fais la lecture des journaux. Étant tout le monde en parle, elle est repentante. Mais honnêtement, c'est une très bonne entrevue. J'ai manqué le début parce que mon hélico était déplogué. Puis ça, c'est comme les anciens ordinateurs. Un hélico, hein, quand tu le repars, ça bout pendant 25 minutes, cette affaire-là. Fait que j'ai manqué un peu l'entrevue. J'étais arrivé à pleurer. Puis je trouvais que... Elle faisait du sens. Elle ne s'excuse pas. Ah non, c'est bien correct. On ne s'excuse pas dans la vie. On accepte ce qu'on fait, puis on accepte les faits. Elle a l'air d'être correcte. Puis, tu sais, le monde, ils disent, ben, elle n'a pas le droit de travailler. Ben oui, elle doit travailler. C'est le public qui va décider. Tu sais, si tu vois une chose, mettons, la faille avec Marie-Pierre Morin, tu dis, moi, je n'écoute pas ça. Bon, c'est réglé. Hein? Ceux qui ont pris le risque de ramener Marie-Pierre Morin vont dire, on a fait un mauvais choix. Et Datit a le droit de travailler comme tout le monde. Elle n'a pas fait de prison. Puis même si elle l'avait fait, on a le droit aussi à une deuxième chance dans la vie. Ben voilà. Voilà. Donc je trouve que c'était une très, très belle entrevue. Puis ben, bravo à elle. Elle a eu du courage quand même d'affronter et la presse et ça. Et tout le monde en parle. Donc il faut lui dire pas bravo. Hein? Mais bon, elle est en voie peut-être de guérir ou non. On va voir. C'est facile de mettre le dos sur l'alcool pour des comportements bizarres, mais tu as peut-être ces comportements-là aussi sans alcool. Donc, mais écoute, moi j'ai bien aimé l'entrevue. J'ai bien aimé, elle s'est pas excusée, elle s'est pas cachée, puis bravo. Ça excuse pas ce qu'elle a fait. Elle a dit que ça l'excuse pas elle-même. Donc, elle le fait, puis elle doit vivre avec les conséquences de ses comportements du passé. Hey, docteur Béliveau, Richard, là, j'ai son nom, là, Richard Béliveau. Il parle de l'exercice. Puis je vous en parle souvent de l'exercice, puis je ne suis pas un médecin. Tu sais? De faire de l'exercice régulièrement,
de bien manger, de mal manger, d'avoir un déséquilibre et de boire du chaga, tu sais, du chaga. T'sais. Moi, je mets tous les noms. Si tu t'appelles Sandra ou Samantha ou... Non, ça ne va pas là. T'sais. Et maintenant, la très jolie Samantha. La très jolie Natacha. Là, la gars qui se tient danseuse, j'ai été pas tellement souvent. Ça me fait toujours rire parce que ça finit toujours. On dirait qu'ils s'appellent tous Natacha et Samantha, les filles. Mais j'ai été quand même il y a 2 ans chez Paris. Ben oui, il y avait. On avait des investisseurs pour Boosme, norvégiens. Puis la première chose qu'ils veulent voir quand ils viennent, c'est qu'ils veulent aller aux tenues. Hein? Mais ils n'ont pas dit ça comme ça parce que c'est juste des anglophones. Hein? Can we go see those naked ladies? Ben oui, on va y aller. Anyway. Fait que. Moi, je parlais de Richard Béliveau. Hein. L'exercice est excellent pour la santé, puis j'ai dérapé ces danseuses. Ça va bien, en tabarnouche, mon affaire. Ouais, ben c'est ça. Il faut faire de l'exercice. C'est bon. Ça stimule la moelle osseuse. Mais bon, l'exercice physique, c'est pas contre la COVID. Là. Capotez pas, là. Ça prend un vaccin contre ça. Bon, t'es pour les vaccins, toi? Laisse-moi te montrer ça. Cet article-là. Envoyez-moi pas les articles, OK? Ben oui, j'ai peur comme tout le monde de me faire vacciner, là. Mais regarde, je vais le faire pareil parce que j'y crois au vaccin. Fait que, tu crois au vaccin, toi? Tu dois être dominé, hein? Tu dois être un porte-parole de la 5G? Ben non, pas un porte-parole de personne. On parle beaucoup d'élections, on fait des promesses. Voyons. Moi, venir, là. Je vais le trouver. Les élections municipales. Hey, parce que. On dirait qu'il y a beaucoup de maires qui ne se représentent pas. Gatineau ne se représente pas. Valérie Plante ne se représente. Non, on va se représenter. Malheureusement pour nous autres. Elle ne gagnera pas, mais elle va se représenter. À Longueuil, c'est comme tout le monde veut se présenter maire de Longueuil. Catherine Fournier, l'ancienne du PQ, qui est indépendante, elle dit ben, je pense qu'elle s'ennuie comme indépendante. Elle n'a pas de parti pour elle, donc elle va se présenter à la mairie de Longueuil. Il y a. Un autre aussi de la CSM, que j'oublie son nom, c'est pas grave, qui va se présenter. Il y a Benoît Huot, l'ancien nageur paralympique, qui veut se présenter aussi. Il se fait désirer. C'est mon ami Benoît. Il se fait désirer, là, il va annoncer ça plus tard. Et l'âge des gens, c'est quand même intéressant parce que non seulement des gens et des femmes. Catherine Fournier, là, fait un bout de temps qu'on la voit dans le paysage politique, elle a quand même juste 29 ans. On dit juste, là. Je me suis lancé en affaires à 30 ans. Fait que faut pas capoter sur l'âge, mais quand même, c'est différent parce que l'âge moyen des maires au Québec est de 58 ans. Et quand je baisse les yeux comme ça, c'est pas parce que vous m'intimidez, hein. C'est parce que je regarde mes notes. Ben oui, parce que vous savez que à Big Brother, je disais tout le temps que Hakim ou Jean Dumont, hey, regarde-moi dans les yeux. Okay, regarde-moi. Si tu me parles, tu te détournes, ça veut dire ben des affaires. Et si jamais tu flirtes une fille, mettons, je vais parler parce que je suis un gars, là, OK? Puis elle te regarde, puis elle baisse les yeux. Toi, t'es un chanceux, OK? Mais si jamais tu y parles, puis elle tourne la tête comme ça, tourne les yeux, là, perds pas ton temps, hein? Va voir la prochaine. Arrive. Hey, écoute, je suis occupé. Là, t'en vas à l'autre. Ben non, dans le temps qu'on allait au bar, dans des bars, tu danses les épaules. Salut, comment ça va? Va voir un autre. Ben, fais juste te promener, voir qui va baisser les yeux. C'est ça le truc. Fait que c'est ça, quand je baisse les yeux, c'est parce que je regarde plus beau. Il y en a un autre à Gatineau qui s'appelle Maude Marquis Bissonnette. Hey, ça me fait rire, j'ai une amie, moi, qui s'appelle Maude Marquis Breton. Et elle s'appelle Maude Marquis Bissonnette. À 32 ans, elle veut se présenter à Gatineau parce que le maire de Gatineau ne se représente pas non plus. Pas fini, à Sherbrooke, Évelyne Baudin, 32 ans. Hein? Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, et tant mieux, ça va amener du renouveau. Bon, elles ne sont pas élues encore, là. T'sais, on leur souhaite bonne chance, hein? Bonne chance. Bonne chance! Bonne chance tout le monde. Moi, j'aime pas ça, ce mot-là. J'aime pas le mot merci quand même. On m'a encore dit ça cette nuit, parce qu'on me demande des fois, il y a des gens qui ont des belles inventions, mais ils pensent que, bon, toi, tu vas m'aider. Non, mais pas le temps. J'ai pas le temps de vous aider. C'est pas que je veux pas. C'est que je mets toute mon énergie à développer la vitrine québécoise, a développé des pop-corn. Ben oui, parce qu'on vend des pop-corn. On vend des friandises. Et tu sais, une des choses que je suis
fier, très fier, bien entendu, c'est tous les produits à l'érable qu'on vend. Et aussi de vous avoir fait connaître les meringues à l'érable, les larmes de dragon. Vous ne connaissiez pas ça beaucoup et de plus en plus, vous y avez goûté et vous aimez ça. Bien, ça me fait plaisir parce que c'est une belle petite gâterie, pas trop calorique. Et c'est fun de faire découvrir ça. Fait que, lâchez pas les futures mairesses. On dit pas mairesse, on dit mère parce que mairesse, dans le dictionnaire, c'est la femme du maire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien à dire. L'orthorexie. Hein? C'est pas un mot du dictionnaire. On joue pas au dictionnaire. J'en ai pas de dictionnaire. Je l'ai laissé en grand-mère. C'est quand manger sain devient une obsession. Ah oui, parce que, tu sais, c'est bien manger sain, mais à un moment donné, il ne faut pas capoter. Hein? Il faut se laisser de la place. Il y en a qui mangent que du cru. C'est juste du cru. C'est juste vapeur. C'est juste bio. C'est juste ci. Puis là, ça fait la morale sur les Instagram. Il y en a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça qui font ça. Et il ne faut pas capoter. Moi, je vous en parle, là, mais il ne faut pas capoter. Là, j'en mange du popcorn autant que vous autres. Peut-être plus des fois. C'est comme l'autre jour, je suis tombé dans le pica-pica. Il était en train d'en faire, puis j'ai pris un bol. Puis pendant que je leur parlais, ben pendant que je les exploitais, mes employés, j'étais là avec mon bol de popcorn, puis je regardais travailler. J'ai dit, hey, ça brûle la gueule, ce popcorn-là, parce qu'il piquait. Mais j'en mange encore parce qu'il y a un petit goût de sucré. Hein? Fait que j'en mange. Ben oui. Et quand je bois les meringues, ben je saute dedans aussi. Puis des fois, avant-hier, j'ai pris une biscottie. Puis vous savez comment j'aime les gaufres, mais tellement que j'en prends des fois de temps en temps. Puis après ça, je fais de l'exercice. Puis, tu sais, il faut faire une balance. Mais je vous parle de jeûne aussi. Comment c'est bon. Bon, ben, je vous laisse faire vos découvertes. Découvrez-le si vous ne connaissez pas. Ben, allez chercher le livre, le grand livre du jeûne. Et comme ça, vous allez pouvoir voir si c'est pour vous et si c'est bien. Mais il y en a vraiment qui capotent littéralement. Et c'est lourd de les regarder. Je ne sais pas quoi faire, je ne me désabonne pas d'eux. Je devrais. Parce que je me dis, elle va me donner une recette qui est le fun. Elles sont toutes plates, ces recettes. Moi, vous m'avez demandé hier, c'était quoi ma recette préférée? La paella. Et c'est pour ça qu'on a rentré. Tu sais, vous m'avez demandé c'est quoi mes comment que les produits rentrent sur la vitrine québécoise? Mais il faut que j'aime l'entrepreneur. Si je ne l'aime pas, il faut que j'aime le produit. Et la paella est vraiment mon plat préféré. Et surtout qu'avec la recette de Marisol, la façon de le faire, bien, c'est tellement simple que c'est le fun. Fait que voilà. Pas pour moi l'orthorexie. Non, monsieur, madame. Et les ventes au magasin, vous savez que le vaccin maintenant, il y a plus de gens vaccinés aux États-Unis. Donc, les gens recommencent à aller dans les magasins. On ne porte plus de masque dehors. Et non seulement ça, les ventes en magasin de linge explosent. Parce que là, c'est fini le sweatpan, puis le t-shirt. Ben, moi, je suis encore en t-shirt. Mais de moins en moins, donc si on sort dehors, ben, on s'habille un peu plus, les ventes ont explosé de 100%. On revient presque au niveau d'avant la pandémie. C'est une bonne nouvelle pour l'économie, mais je vais continuer à magasiner en ligne. Je n'aime pas aller en magasin. Je n'aimais pas ça avant, puis j'haïs ça encore plus maintenant. Voilà! Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 3 mai. Le soleil se lève en ce moment. Je pense que ça va être une très, très belle journée. Je vous en souhaite une très belle. N'oubliez pas, hein, on a une section pour la fête des mères. Allez visiter ça. On a le package des érables, l'ensemble des érables, je m'excuse, qui est parfait pour la fête des mères, qui va être disponible après la fête des mères, bien entendu, qui va être disponible tout le temps, en magasin aussi, peut-être un jour. Voilà, on se retrouve plus tard pour Derrière le comptoir. Je vais être à 18h ce soir parce que j'ai rendez-vous téléphonique à 5h. Bye! Bonne journée tout le monde.